Bienvenue dans ma classe inversée. Tu l'as compris, le cours d'éducation musicale est désormais au collège une expérience originale. Nos séquences démarrent désormais par le visionnage d'une vidéo. Le temps du professeur d'un côté et les élèves de l'autre est terminé. Fini le temps du professeur bougon au tableau et de l'élève qui essayait d'écouter. Désormais, la classe démarre devant ton écran. Et tu as tout le temps nécessaire pour bien écouter l'œuvre. Avec la classe inversée, nous entrons véritablement dans une nouvelle ère technologique. Voilà, il n'en reste plus qu'à connecter tout ça. Ta machine, tes yeux, tes oreilles, ton cerveau. C'est à toi. Je compte sur toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Depuis fort longtemps, la musique a été utilisée comme instrument de propagande. Dans cette séquence, nous allons tenter de comprendre comment la musique est-elle devenue un instrument de propagande et à quelle fin. Pour cela, quelques extraits afin d'illustrer cette problématique. Nous sommes au XVIIe siècle, en pleine période baroque. Louis XIV nomme Jean-Baptiste Lully surintendant de la musique du royaume. Jean-Baptiste Lully compose la marche royale, dont nous venons d'écouter un extrait, à la demande expresse du souverain. Bien, à présent, faisons un bond dans le temps. En effet, Richard Wagner meurt en 1883 et c'est près de 60 ans après sa mort que les nazis ont utilisé sa musique à des fins de propagande. Là encore, lorsqu'en 1824, Ludwig van Beethoven achève l'écriture de sa 9e symphonie, il est loin de se douter qu'en 1972, son 4e mouvement, dit Ode à la joie, serait adopté comme hymne européen. En 1943, les résistants français installés ou de passage à Londres cherchent un indicatif musical pour leur émission de radio. Ce sera le chant des partisans qui deviendra une arme politique et un outil de propagande. La chanson est enregistrée à Londres par Germain Sablon. Les paroles sont parachutées par les pilotes anglais, imprimées clandestinement et relayées par les résistants. Le succès est foudroyant et la mélodie devient le signe de reconnaissance des maquis et l'hymne de la résistance française.
descendez des collines, camarades. Voilà, avant de se quitter sur un dernier extrait, je voulais te mettre en réflexion. Selon toi, quels sont les ingrédients d'une bonne recette pour qu'une musique puisse devenir une musique de propagande ? À ciao, rendez-vous en classe dans quelques jours.